Ah, c'est pas la première fois qu'on est bloqué quelques jours. Si on arrive, il y a pas lieu de s'inquiéter. On a pris ça, la température. Et capitaine, qu'est-ce qu'il fabrique, hein, capitaine? Bien au chaud, lui. Allons, faut garder le moral. Tu pars. Il y a 3 semaines qu'on est bloqué ici. D'attendre, mais c'est moins difficile que de passer le cap Horn. Vous êtes allé là-bas, vous? Il n'y a pas de changement. Reprenez tous votre travail. On en a marre. On ne peut pas continuer comme ça. Ouais, on en a marre. Lieutenant. Vous avez entendu le capitaine? Retournez à vos postes. Capitaine! Hé, les gars, regardez! Mais qu'est-ce qu'il fait? Non! Maman! Il le poursuit! Il va le rattraper! Ah, il ne bouge plus! Envoyez des secours, lieutenant! Il a été abattu par cette espèce de géant qui s'enfuit là-bas! Regardez! Montez-le à bord. Non. Elisabeth, non. Où suis-je? Vous êtes à bord du Prométhée, parti d'Arkhangelsk. Auriez-vous la bonté de me dire où vous allez? Nous faisons un voyage de découverte vers le pôle pour trouver un passage vers l'Est. Je suis Robert Walton, le capitaine de cette expédition. Tenez. Buvez ça, c'est du potage. Vous serez en sûreté sous notre garde. Personne n'est en sûreté. Pas tant qu'il se promène dans la nature. Vous l'avez vu, n'est-ce pas? Oui, un homme de grande taille sur un traîneau. Je vous en prie. Moi, le retrouver. Avant qu'il ne commette de nouveaux crimes. Des crimes? Bien peu de raisons peuvent pousser un homme à s'aventurer jusqu'ici, dans des territoires aussi inexplorés. Je vois quelque chose de dangereux dans vos yeux. Dans mes yeux? Oui. Cette même ambition qui est à l'origine de ma tragique aventure. Ouais, mon ambition. Si ce voyage de découverte est couronné de succès, il changera la face du monde. Vous avez une femme? Non. Une famille? L'être qui m'est le plus cher est ma jeune sœur, Margaret. Tenez, voici son portrait. Il fut un temps où le bonheur remplissait ma vie également. Avant qu'une infortune sans précédent ne vienne torturer mon pauvre cerveau. Aucun être humain n'a passé une enfance plus heureuse que moi.
Je repense à ces années avec beaucoup d'émotion. Mes parents me prodiguaient un amour et un soutien indéfectibles. C'était une saison où tout m'apportait de la joie. Victor ? Victor Frankenstein, viens par ici. Je ne demandais qu'à apprendre tout ce que le monde avait à me proposer. Et mon père bien-aimé était le plus dévoué des professeurs. Bien. Il était très heureux que son jeune fils apprécie l'importance de l'enseignement. Pour ne pas l'effrayer. Pourtant, ainsi l'a voulu la Providence. Certaines leçons capitales ont eu des résultats bien différents de ceux que mon père escomptait. Regarde bien le lapin. Bien joué! Tu l'as eu! Magnifique! Bon chien, viens là, Bruno! Bon chien, bon chien, bon chien! Bon chien! Le voilà! Bien joué! C'est la découverte de la mort qui a éveillé ma curiosité. J'ai été pris d'un désir dévorant de percer les mystères de la vie, les secrets de l'âme humaine. Victor ? Victor ? Encore éveillé ? Tu auras tout le temps de continuer à lire demain matin. Maman, quand est-ce que je mourrai ? Eh bien, quand tu seras vieux et grisonnant, mon enfant. Mais qu'est-ce qui se passera quand je mourrai ? Eh bien, ton cœur sera si fatigué qu'il s'arrêtera de battre. Et ensuite, tu vas dormir. Oui, mais si je me réveille après ? Quand on est mort, on ne se réveille jamais plus. Tout ce qui est vivant doit mourir un jour, Victor. C'est la loi de la nature. La loi de Dieu. Et si je trouve un moyen d'aider les gens à vivre pour toujours, pour que personne ne soit obligé de mourir? Alors tu seras le plus grand homme qui ait jamais vécu. En attendant, il faut que tu fasses comme les autres petits garçons. Ma chère mère devint préoccupée de voir que son jeune enfant éprouvait une fascination aussi morbide. Sa réaction fut de me montrer la joie qu'il y avait à ouvrir son cœur. Elle accueillit à la maison une jeune orpheline. Elle est seule au monde, Alphonse. Elle ne l'est plus. Son nom était Elisabeth. Je suis ravi que votre fils Henri et Victor soient devenus d'aussi bons amis. Oui, et cette jeune Elisabeth, quelle petite fille charmante. C'est très charitable de la prendre dans votre famille, en particulier sans aucun héritage à espérer. C'était la moindre des choses, Clerval, avec tout le bonheur qui est le nôtre. Bien sûr que c'est moi. Tu veux regarder? Je peux regarder aussi. De la magie, de l'astrologie. Notre brillant Victor est toujours fourré dans ses livres stupides. Ils ne sont pas stupides, donne-moi ça. Et si tu lisais la moitié de ce qu'il faut lire, tu saurais que le monde ne doit pas forcément rester un secret. Un secret ? À quoi servent les secrets de la nature ? Et les mystères de l'âme humaine, sinon à être compris par nous, simples mortels ? N'y a-t-il aucune limite à ton imagination ? Seules les limites imposées par Dieu. Donne-moi ça, rends-moi ça. Je t'en prie. Merci. Pas mal. Mais utilise un peu plus... ton imagination. Victor, étudier la science et la médecine, c'est... Merci, Justine. Mangez-vous aussi avant que le repas ne refroidisse. Merci, madame. Est-il besoin de prouver que l'oxygène existe ?
ou que Dieu existe. William, arrête de donner à manger à Bruno. Mais il a faim, maman. Victor, dis à ton frère de ne pas nourrir le chien. William, arrête de lui donner à manger. On te l'a déjà dit. Non, non, la foi est une question qui est entièrement différente. Il y a de cela 200 ans, l'Église a condamné Galilée pour hérésie. Aujourd'hui, ses théories jadis radicales sur le mouvement planétaire sont considérées comme allant de soi. Ah, c'est là que tu te caches ? Magnifique. Qu'est-ce que nous regardons ce soir ? Le vaste au-delà. L'inconnu. Qui peut savoir ce que l'homme est capable de faire ? Qui peut savoir si tout est bon dans ce qu'il fait ? N'ayez crainte, Guenièvre. Lancelot saura défendre votre honneur. Je ne savais pas que mon honneur avait besoin d'être défendu. Quoi ? Alors, je vais conquérir tout l'Orient pour vous. Et moi, je vais éradiquer toutes les maladies et les famines. Je vais sauver le Saint-Sépulcre des mains des infidèles. Et moi, je vais vous consacrer mon âme. Ton âme ? Son âme ne vaut pas un sou. Bonjour, jeunes gens. Bruno, reviens. Bruno. Bruno, arrête. Bruno. Attention, Bruno. Attention, chevaux. Bruno, reviens. Attention. Bruno, arrête. Attention, Olivier. Attention, chevaux. Bruno, reviens. Non. Arrêtez. Arrêtez la voiture. Arrêtez. Anéanti par la mort de Bruno. J'aspirais à réaliser l'impossible, à changer le destin, mais la mort était en définitive un mauvais sort trop puissant pour être conjuré. Du moins, c'était ce que je croyais alors. Si grande taille, totalement détruit, en un instant. On peut en planter un autre. On le verra grandir. Si une seule décharge d'énergie électrique peut causer tant de dégâts, imaginez ce qu'elle peut créer. T'en aller à l'université pour y faire quoi ? Étudier le droit ? Non, papa. Je voudrais orienter mes études vers la connaissance des principes premiers. Il y a tellement de choses que j'ignore et que j'ai envie de savoir. Sur la science, les secrets de la nature. Tu veux partir de chez nous ? Pour aller à Ingolstadt. Ce n'est pas très loin, je t'écrirai très souvent. Maman ?
Merci, William. Buvez ceci. Non. Je vous en prie. Non. Vous devez tout entendre. Avant qu'il ne soit trop tard. Qu'est-ce que c'est ? C'est le bateau. La glace. Comme tous les adolescents, je ne me rendais pas compte de l'indifférence totale de la nature envers les êtres qui nous sont les plus chers. Ma mère, si resplendissante de santé, tomba soudain malade inexplicablement, victime d'un de ces fléaux dont Dieu ne nous a pas encore sauvés. Pourquoi reste-t-il si longtemps ? Je crains qu'elle ait la fièvre scarlatine. Oh non. J'enverrai quelqu'un pour s'occuper d'elle. Inutile, docteur, je m'en chargerai. Elisabeth, tu ne peux pas. Allons, pas de bêtises. Elle est ma mère. Moi aussi, je veux aider. Tout ceci simplement pour m'empêcher de partir. Tu dois aller à l'université, Victor. Ton destin t'attend par-delà ces murs. Tu vas te rétablir. Il faut accepter la réalité. Nous devrions essayer un autre docteur, essayer d'autres remèdes. Je n'ai besoin d'aucun autre remède que la présence de mes enfants. Merci. Alors maintenant, écoutez-moi. J'ai vu la manière dont vous vous comprenez tous les deux, comme si vos âmes communiquaient entre elles. Il faut me promettre une seule chose. Tout ce que tu voudras. Je veux que vous soyez mariés et que vous meniez une vie aussi heureuse que votre père et moi. Dans l'espoir et la foi en la résurrection dans la vie éternelle, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, nous remettons entre vos mains Dieu Tout-Puissant, notre sœur Caroline. Et nous déposons son corps dans sa dernière demeure. La terre retourne à la terre, la cendre à la cendre et la poussière à la poussière. Que le Seigneur la glorifie et que le Seigneur la bénisse. Que le Seigneur l'illumine de sa présence et qu'il lui accorde la paix éternelle. Amen. 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 Malgré la profondeur de mon chagrin, je tiens la promesse que j'avais faite à ma mère avant sa mort. Bon voyage, mon fils, et rends-nous tous fiers de toi. Compte sur moi, papa. Je reviendrai bientôt. Je suis sûre que tu feras des merveilles. Écris-moi une lettre tous les jours. J'écrirai toutes les heures. Je fais le voyage avec toi. À Ingolstadt? Ton père te laisse y aller? Qu'il aille au diable, ce parvenu à l'esprit étroit. Je veux obtenir une éducation libérale. En avant! Ce fut ainsi que je commençais mon voyage. Les yeux écarquillés, le cœur plein d'espoir, sans penser un seul instant que les choses pourraient prendre une mauvaise tournure. Capitaine! Il est dans les alentours. Mais nom de Dieu, regardez ce qu'il doit aller. Hissez-le à bord. Allons-y, les gars. Il est mort.
Montez-le à bord. Il est mort. Ah ouais, j'ai bien peur qu'il soit mort. Attention, par là. En tout cas, il est dans un triste état. Seigneur. Vous l'avez vu? Non. Le brouillard est trop dense. Mettez une sentinelle de plus. Assurez-vous que tous les hommes sont armés. Personne ne doit quitter le navire, pour quelque raison que ce soit. Si ce n'est pas un homme, qu'est-ce que c'est? Dites-moi. Nous voici réellement à Ingolstadt. Mais alors, maintenant, que faisons-nous? Nous embrassons notre destinée, Henri. Merveilleux. Quatrième étage. Merci. Merci. En conclusion, les maîtres qui jadis enseignaient cette science ont promis des choses impossibles, la transmutation des métaux, la fontaine de jouvence, mais ils n'ont rien accompli. Rien du tout. Les maîtres modernes de la science promettent fort peu de choses, mais ces nouveaux philosophes, dont les yeux ne semblent faits que pour se pencher sur des microscopes ou sur des creusets, ont quant à eux réussi à accomplir des miracles. Alors, nul ne sait quelle sera la prochaine étape. Peut-être l'un de vous en sera-t-il l'initiateur. Vous avez beaucoup de chance d'être jeune à une époque comme la nôtre. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. Il est passionnant. Oui, extraordinaire. Remarquable. Professeur? Professeur Waldman, je suis Victor Frankenstein. Vous étiez en retard. Oui, je sais. J'en suis navré. C'était mon premier jour ici. Et pas le dernier, espérons-le. Justement, monsieur, à ce sujet, je voulais vous dire combien vos paroles m'ont semblé stimulantes. Tant mieux. J'ai toujours considéré la science comme étant la porte ouvrant sur l'inconnu, la clé donnant accès aux secrets de la nature. Et j'ai toujours eu la conviction que je possédais un talent naturel dans ce domaine. Quoi qu'il en soit, je me demandais, avec beaucoup d'espoir, si vous accepteriez de me servir de mentor dans mes études. Eh bien, c'est un honneur pour moi que d'avoir un disciple aussi enthousiaste. Du moins, en supposant que votre enthousiasme va de pair avec votre travail et vos capacités. Oui, monsieur, bien sûr. Je veux savoir tout ce qu'on peut savoir en physique et en chimie. Je veux concentrer mes études sur les sciences expérimentales. Un homme ferait un savant bien superficiel s'il s'occupait uniquement de ce département de nos connaissances. Si vous voulez vraiment devenir un homme de science, et non pas simplement un petit expérimentateur, je vous conseillerais de vous appliquer à l'étude de toutes les branches des sciences naturelles, y compris les mathématiques.
Il y a bien plus à apprendre, Frankenstein. Il y a beaucoup de choses. Beaucoup. Là. Merci. Réfléchis bien, Henri. Dans la plupart des études, on refait simplement le même chemin que les autres. Il n'y a rien de nouveau à apprendre. Mais dans la science, on n'arrête pas de faire des découvertes. Et que feras-tu avec ces découvertes toujours renouvelées? J'ouvrirai des voies nouvelles. Et dévoilerai les mystères les plus profonds de la création. Bonjour. Trois lettres d'Elisabeth et deux de mon père qui menacent de me déshériter si je persiste à prolonger cette équipée ridicule. Une équipée, c'est un bien grand mot. Au feu. Ne me dis pas que tu as encore passé toute ta nuit à lire. Henri, j'ai pris une décision. Celle de me laisser ta part de Strudel ? Celle de me consacrer à la chimie. C'est la science de la vie. Ce n'est pas à Elisabeth que tu as consacré ta vie? Elisabeth? Donne. Donne-moi ça. Hey. Mon très cher Victor, peu de choses ont changé depuis ton départ. Et pourtant tellement de choses. Ton père passe son temps à administrer ses affaires et ses placements, pendant que Justine et moi nous occupons de la maison et des repas. William, lui, est un vrai petit diable. Il joue au cerf-volant, il grimpe aux arbres et il trouve sans arrêt mille façons de nous divertir, tout plutôt que d'apprendre ses leçons. Tu me manques tellement que parfois j'ai peur. De tous les organes du corps humain, lequel est le plus important ? Frédéric ? Le cœur, bien sûr. Il fait circuler le sang. Herr Frankenstein ? En fait, le cerveau est le plus important, professeur. Pourquoi le cerveau ? Eh bien, il est le centre du système nerveux, composé de millions de fibres reliant entre eux tous les divers organes de notre corps. Et c'est lui qui provoque l'influx nerveux. Il y a deux méthodes pour conserver une charge électromagnétique. La première, vous la voyez de ce côté-ci, et l'autre fonctionne juste en ce moment. Vous avez bien vu ces deux méthodes? Alors ceux qui sont sur ma droite, descendez et criez à votre compagnon d'études quelles sont à votre avis les différences entre les divers matériaux qui contiennent la charge. Criez-leur le nom aussi vite que vous pourrez. Kupferman, le fil de cuivre est enroulé de façon très dense pour donner la plus forte intensité possible. Quelle est à votre avis la différence entre cette charge-ci et celle-là? Et aussi, quelle différence y a-t-il dans le temps qu'il a fallu pour accumuler les deux charges? Vous voyez maintenant de la fumée qui s'échappe, c'est parce que l'intensité de la charge... J'admets que sur le plan empirique, vous avez raison. Mais sur le plan scientifique, quelle est exactement la valeur de la théorie? Il y a deux acides, l'acide sulfurique d'un côté et l'acide chlorhydrique de l'autre. Et tous deux permettent de réaliser... Dans ce cas, tout dépend de leur intensité. Avant de procéder à toutes ces expériences, il est important d'avoir le catalyseur indispensable. Dans la et avec l'ammonium, nous aboutissons à un nouveau résultat. Nous avons maintenant créé une solution plus complexe. De quoi, Herr Frankenstein ? Chlorate de nickel ammoniacal. La transmission de l'énergie. Prenons par exemple l'électricité. L'électricité est, en principe, l'un des résultats de la transformation de l'énergie libérée lors d'une réaction chimique, de la même manière qu'une charge électromagnétique. Mais la réaction chimique ne dépend-elle pas de la capacité calorifique de chacun des éléments ? Nous l'ignorons. C'est encore un mystère pour la science. Qu'est-ce que tu caches là-haut ? Tu verras. Bienvenue dans mon laboratoire. C'est toi qui as installé tout ça? Oui. Enfin, grâce au conseil du professeur Waldman, la plus grande partie du matériel provient de l'université. Ceci est un cadavre. Quoi? Non, pas un vrai cadavre, bien sûr. C'est une reproduction
très détaillée du corps humain. Faite entièrement en cire. C'est d'une gaieté folle. Qu'est-ce que t'as l'intention d'en faire ? Henri, s'il te plaît. Cet objet m'aidera à apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur l'anatomie, sur la manière dont le corps humain fonctionne. Moi, je me contenterai d'étudier l'histoire. Je ne trouve pas ça très drôle. Si tu veux. Ce dont vous parlez dans le cas présent, c'est un réflexe nerveux, une réaction involontaire. Si une seule décharge d'électricité peut causer une telle réaction dans un muscle, pourquoi pas dans le cœur ou dans le corps tout entier, après tout? Vous faites des déductions un peu rapides. N'est-ce pas là le travail du vrai savant? De rêver l'impossible? Vous l'avez dit vous-même, le cerveau envoie dans tout le corps des influx nerveux qui provoquent des réactions. Des influx nerveux, oui. De l'électricité, non. Oui, mais supposons que ce que nous appelons notre force vitale ne soit rien d'autre que de l'énergie électrique. Victor, Victor, seul Dieu est capable de créer la vie. Si un artiste peut créer de la beauté avec de la peinture et des pinceaux, pourquoi un savant ne créerait-il pas de la vie avec de la chair et des os? Tu tiens des propos sacrilèges, contraires aux lois de la nature. Ah bon? C'est contraire à ces lois de vacciner l'ensemble des humains contre la variole? Ou de fabriquer des lunettes pour aider les gens à lire? Ou de remettre en place un os fracturé? Ce sont des choses totalement différentes. Pourquoi? Faut-il laisser les gens mourir quand la science et la médecine peuvent les sauver? Le progrès de la science passe forcément par l'expérimentation. Tu
Tu es revenu un instant à la vie. Tu es revenu à la vie. Donne-moi ça. Il fait soif. T'as peut-être soif, mais ça, c'est ma chopine. Voyeurs travaillent aussi la nuit. Hé, oh, doucement. Je suis essoufflé. Il fait son poids, cet animal. Ah, ça, tu peux le dire. Passe-moi une pelle. Qu'est-ce que tu fabriques par ici? Rien. Je me suis perdu. Drôle d'endroit pour se promener. Je suis étudiant en sciences à l'université. Ça se vend dans les combien, un cadavre juste à point? J'en sais rien. Vous croyez que je suis un pilleur de tombes? Pourquoi on penserait une chose pareille? Je ne suis qu'un simple curieux. Hé, hey, tu sais ce qu'on en dit de la curiosité? Si jamais on la revoit dans le coin, ta gueule de beau gosse, ce sera ton cadavre qui sera à vendre. Eh bien, bonne. Restons pas là. Victor? Mon Dieu, que vous est-il arrivé? Professeur, je vous en supplie, aidez-moi. Pourquoi tant de mystère? Dites-moi au moins où nous allons à cette heure tardive. Pourquoi cet endroit? Pour percer les secrets de la vie. Il importe de comprendre la mort. Pourquoi m'avez-vous amené ici? Pour m'aider à choisir un cadavre. Expliquez-moi ce qui se passe. Vous vous souvenez de mes expériences avec l'électricité? La grenouille, oui. Je suis allé plus loin. Bien plus loin que ce que je vous ai raconté. Que voulez-vous dire? Un chien. Ce chien était mort. Et j'ai réussi à... Grâce à un choc électrique. Vous lui avez rendu la vie? Seulement pour un instant. Je lui ai réellement rendu la vie. Et c'est alors que l'idée m'est venue. S'il a été possible de ranimer un chien avec un courant électrique de force modérée, pourquoi pas un être humain? Non! Et si je transmets à un cadavre humain une force électrique tellement puissante qu'elle le ramène à la vie? Mon Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh. Ce que vous avez fait? Oui. Vous m'avez tout simplement encouragé, professeur. Comme personne d'autre. À croire dans le savoir. Dans ce qui paraît utopique. Tout cela n'est pas bien, Victor. Ce que vous faites est immoral. Il faut arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Comment pouvez-vous dire cela? Surtout quelqu'un comme vous. Le savoir n'a rien de mauvais. Non, le savoir n'a rien en soi de mauvais. Mais c'est ce que l'on en fait qui peut l'être. Songez à toutes les conséquences, au développement inattendu que cela va produire.
Moi qui pensais que vous croyiez au progrès. À la science et à ses prouesses. Vouloir s'amuser avec de l'électricité, c'est une chose, mais en arriver là! J'exige que vous veniez avec moi. Quittons ce lieu immédiatement. Victor, j'espère que vous savez ce que vous faites. Je sais exactement ce que je fais. Non! Non. Seul Dieu peut créer la vie. Monsieur, il faut redescendre à l'intérieur, à l'abri du froid. Mes hommes feront le guet. Inutile, capitaine. Avez-vous si désespérément désiré rien savoir et œuvrer avec tant de passion pour élucider un mystère que vous étiez prêt à tout lui sacrifier, même votre âme? Demandez donc à mon pitoyable équipage. La recherche du savoir est toujours au cœur des plus grandes réalisations humaines. Et aussi des plus néfastes. Le paradis perdu de John Milton. J'ai absolument tout perdu. Sauf la volonté d'accomplir mon destin. Votre destin? L'anéantir. Lui et toutes les preuves de sa sinistre vie. Même Henri est inquiet. Tu sais à quel point il est immergé dans ses études. La fin du monde pourrait bien arriver et il ne s'apercevrait de rien. Victor, c'est Henri. Ouvre la porte. Victor, réponds-moi. Tu es malade? Je vais très bien, Henri. Je travaille. Il y a une lettre d'Elisabeth. Glisse-la sous la porte. Fais-le vivre!
La découverte. Tu crois réellement que les morts peuvent être ressuscités? Non, le savoir n'a rien en soi de mauvais. Mais c'est ce que l'on en fait qui peut l'être. Songez à toutes les conséquences, au développement inattendu que cela va produire. Fils.
Hector, regarde le joyau que j'ai trouvé errant dans les rues. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que cet accoutrement? Victor? Victor? Arrête, qu'est-ce qui t'arrive? C'est follement drôle. Victor! Victor! Arrête! Tu me devais tourner! Je t'en prie. Qu'est-ce qu'il y a? Victor? Victor! Ne t'approche pas d'elle! D'être venu, professeur. Nous ne savions pas qui d'autre prévenir. Il souffre de pneumonie. De pneumonie? Vous êtes sûr? Un incident de ce genre était inévitable. Cela faisait des mois qu'il travaillait comme un fou. Heureusement que vous êtes arrivé. Mais il va se rétablir, je suppose, non? S'il est calme et qu'il se repose. J'enverrai un vrai médecin. Je reviendrai l'examiner moi-même dans quelques jours. Merci. Veillez sur lui, à chaque instant. Au revoir. Il s'est montré bien lointain ces derniers temps. Il travaillait jour et nuit. Là-haut, dans son laboratoire. Je l'ai mis en garde. Mais il ne voulait rien entendre. Il travaillait à quoi?
craindre, nous sommes en sûreté. Chut, chut. Non. Nous devons le retrouver. Ce n'est qu'un mauvais rêve. Nous devons le retrouver. Nous devons le retrouver. Agathe, je suis désolé, mais voilà tout le bois que j'ai pu couper aujourd'hui. Père, il est temps de manger. On se débrouillera, Félix. Je t'aiderai demain à en couper davantage. Comme si tu n'avais pas déjà assez à faire. Papa, moi aussi, je pourrais t'aider à couper du bois. Tu pourras m'aider autant que tu voudras, Eva. Maintenant, assieds-toi comme il faut. Bien. Le dos bien droit. Voilà, c'est parfait. Regarde comme ce repas a l'air délicieux. Tu finiras bien toute ton assiette, compris? Je vais la servir, laisse-la tranquille. Elle doit bien manger si elle veut grandir. Maman? Hmm? D'où ils viennent, les légumes? De la terre, des petites graines que nous y plantons. Et ils grandissent comment? Dieu nourrit toutes les créatures vivantes. Elles sont l'œuvre de sa main. Et moi, alors, je viens aussi de la terre? Mais non, grande sotte. Tu viens de mon ventre? Oui, mais tous les autres bébés, d'où ils viennent? Du ventre de leur maman, tous autant qu'ils sont. Même les bébés des poissons et ceux des arbres? Même ceux des oiseaux et des abeilles, tous les bébés. Et où il est, Dieu, maintenant? Tout là-haut, dans le ciel. Il peut nous voir? Mm-hmm. Dieu voit tout ce que nous faisons. Le bien comme le mal. Dieu. Tu es saine et sauve. Dieu merci. Repose-toi. Je ne sais plus où est la réalité. Comment te sens-tu? J'ai soif. J'ai fait des cauchemars vraiment abominables. C'est fini maintenant. Pendant tout ce temps, tu es resté à mes côtés. Alors, tu ne m'en veux pas de m'être installé chez toi sans que tu le saches? Non. Tu m'as sauvé. Mais de quoi t'en? Tout était dans un tel désordre. J'ai fait le ménage. J'espère que ça ne t'ennuie pas. Non, bien sûr que non, merci. Elisabeth, tu n'aurais pas vu mon journal personnel par hasard? Non. Mais je peux le chercher si tu veux. Non. Je le retrouverai. C'est une belle journée. Tu veux faire une promenade? Oui. Thank you.
Félix ! Félix ! Agathe ? Qu'y a-t-il, ma belle ? Petit cachotier, quand as-tu coupé tout ce bois ? Je n'ai rien fait. Ça alors ? Très étrange. C'est un miracle. Ça aurait bien chaud avec ce bois. Vous devez payer le loyer. Je ne peux pas payer le loyer. Vous devez payer le loyer. Je ne peux pas payer le loyer. Vous devez payer le loyer. Je ne peux pas payer le loyer. Allons, c'est moi qui paierai le loyer. Oh, quelle générosité. Je suis tout bon, Jean-Marc. Je suis un admirateur de votre C'est bon de revenir parmi les vivants. Victor, quand tu étais malade, qui était l'homme que tu croyais voir ? Que veux-tu dire ? Tu avais des hallucinations, tu voyais quelqu'un dans la pièce, quelqu'un qui cherchait à te faire du mal. Ah oui ? Bien, la fièvre peut affecter le cerveau de bien étranges manières. Dis-moi, que mangerons-nous au dîner ? Que dirais-tu d'un gigot d'agneau ? De l'agneau, c'est parfait. C'est un jour de marché comme les autres. Ouais. Excusez-moi, monsieur. Ma question pourra vous paraître étrange, mais... N'y a-t-il pas certaines personnes qui vous ont déclaré avoir aperçu une créature géante ? Vous nous avez fait très peur, monsieur. Je vais porter encore un toast. Et tu boiras en l'odeur de quoi ? De la plus belle jeune fille de toute l'Europe. Tavernier ! Une autre bouteille ! Tu ne commences pas à en avoir un peu assez. De toi ? Jamais. De l'homme et du fruit de cet arbre défendu dont le goût mortel a apporté la mort dans ce monde.
J'aimerais que nous restions toujours comme ça, sans retourner là-bas. Peut-être est-ce possible. Que deviendront tes études? Tous tes rêves sur les possibilités illimitées de l'humanité? Peut-être faut-il des limites. Peut-être y a-t-il des secrets qu'il vaut mieux ne jamais découvrir. Quels secrets? Les secrets de la vie et de la mort. Tout cela semble si ridicule maintenant. Maintenant que j'ai tout ce que je désire juste là, tout près de moi. Qu'est-ce que tu racontes, Victor? Que je t'aime comme un fou, plus que tout au monde. Et je veux qu'on se marie. Aussitôt que possible. Après-midi. J'ai laissé sur le buffet de quoi manger. Tout se passera bien. Au revoir. Au revoir, Eva. Sois sage. Bien bientôt. Un, deux, trois, quatre, cinq petits canards. 6, 7. Je recommence. Ça fait 1, 2, 3. Qui est là? C'est un monsieur, grand-papa. Hein? Entrez, monsieur. Je ne vous vois pas, je suis aveugle. Vous êtes seul? Oui, je suis seul. Vous devez être affamé. Oui. Oui, j'ai faim, j'ai très très faim. Asseyez-vous, je vous prie. Eva, apporte à ce monsieur un peu de fromage. Hein? Merci.
Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? Jamais personne ne s'est montré aussi gentil avec moi jusqu'à présent. Vous avez une famille? Oui, enfin, un père. Et vous le voyez beaucoup? Non. Voyez-vous plus souvent votre mère? Je n'ai pas de mère. Tous les enfants, ils ont une mère. C'est ce que ma maman, à moi, elle m'a dit. Tu es sûr que tu ne veux pas que je reste avec toi? Nous pourrions rentrer là-bas ensemble. Tu laisserais ton père préparer tout seul le mariage? Tu sais bien que sans toi, il serait perdu. Par ailleurs, j'ai besoin de quelques semaines pour préparer mes bagages et régler mes affaires. Oui. Sois sans crainte. Je veillerai à ce que notre ami rentre au pays en parfait état. Mon très cher Henri, que ferions-nous sans ta généreuse amitié? Vous vous débrouilleriez certainement à merveille. Au revoir. Bon voyage. Oh, papa joue du violon. Ah ouais. Oh. Arrêtez! Qui êtes-vous? Félix, il te fait rien de mal! Je vous en prie, ne touchez pas ma petite fille! Je ne te veux pas de mal! Disparaissez, espèce de monstre! Qu'est-ce que tu fais? Ne vous mêlez pas de ça, papa! Pourquoi faites-vous cela? Je sais que vous êtes quelqu'un de gentil! Comment le savez-vous? Vous nous avez espionnés? Non! Sale espion! Non, non, le bois, monsieur! Je vous ai apporté le bois! Viens ici! Ne remets jamais les pieds chez moi, ignoble brute! Conséquence, plus grande est la masse, plus petite est l'accélération, ce qui nous amène à Newton et à sa fameuse troisième loi du mouvement, selon laquelle, pour chaque action, il y a une réaction qui lui est égale et opposée. Je suis heureux de vous voir de nouveau sur pied, je me faisais du souci. C'est à Elisabeth que je dois ma guérison spectaculaire. C'est une femme remarquable. Oui, j'ai vraiment beaucoup de chance. Vous savez, maintenant que vous êtes rétabli, je dois vous dire que vos observations dans le domaine de l'influx nerveux étaient tout à fait captivantes. Je vais quitter l'université. Au revoir, professeur. Magique? Non, mais j'y attache une grande valeur. Pourquoi? Parce que c'est ta mère qui me l'a donnée. Je me souviens qu'elle chantait pour moi. Oui, elle adorait chanter. Tu veux le porter un moment? Oui, je veux bien. Rires.
Et voilà. Regarde. Nous ne t'attendions pas avant la semaine prochaine. Quoi? Manquer ton anniversaire demain? William, assez plaisanté! Montre-toi! William? 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 Père! Père! William! Père! Oui, je voulais mettre au point une nouvelle instrumentation. Père! Une nouvelle instrumentation? Père! William, il était là, et puis je ne l'ai plus vu, je ne sais plus où il est. Elisabeth, calme-toi. Dis-nous ce qui s'est passé. William, dis-nous ce qui s'est passé. William a disparu. Calme-toi, s'il te plaît. William, montre-toi, mon garçon. William. Quand j'aperçois quelque chose, William. Victor! Venez par ici, vous autres! On l'a trouvé! Oh, William! William! Non! Oh, William! Petit garçon, mon pauvre petit garçon si gentil! William, qui a pu être aussi cruel? Si c'était... Moi, tout est ma faute, je n'aurais pas dû le laisser s'éloigner. Thank you.
On a arrêté la personne qui a tué William. Ça y est, il a été pris. Non, non, pas il. Elle. Justine. Justine? Ce pendentif était dissimulé parmi ses affaires. Grand Dieu! Justine n'avait aucune raison de le voler. Si elle avait eu envie de ce bijou, j'aurais été heureuse de le lui donner. Comment a-t-elle pu se le procurer si elle ne l'a pas volé à ce garçon? De mille façons diverses. Toutes les preuves sont contre elle. Justine n'est pas une meurtrière. Ce n'est qu'une domestique. Pourquoi la défendez-vous avec tant de véhémence? Ce n'est pas que notre servante. Elle fait partie de notre famille. Si elle n'est pas de votre sang, elle n'est pas de votre famille. Quoi qu'il en soit... La fille a avoué. Un fonctionnaire imbu de lui-même et arrogant. Tout ce qu'il cherche, c'est une condamnation expéditive. Tu sais que j'adore Justine, mais elle a avoué être la meurtrière. Ce n'est pas elle, j'en suis sûr et certain. Comment peux-tu le savoir? Parce que je connais Justine. A ordonné. Il est capital de prendre en compte cette nouvelle hypothèse. Qui implique quoi? Que c'est une créature monstrueuse qui a tué votre frère et qu'elle se cache dans les bois? Oui! Envoyez des gens à sa recherche, s'il vous plaît, avant que ce démon ne commette de nouveaux crimes. Votre imagination vous emporte vers l'irréel. Lui est bien réel. Monsieur Frankenstein, la justice a été rendue. Femme, que la paix soit avec toi. Puisse la miséricorde de notre Seigneur se répandre sur le crime que tu as commis. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien et pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas... Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Ainsi soit-il. Puisse le Seigneur avoir pitié de votre âme. Seigneur Dieu Tout-Puissant, daignez dans votre infinie miséricorde lui épargner les tourments de l'enfer. Malgré tout ce que vous saviez, vous avez permis qu'elle soit pendue. Comment avez-vous pu? J'ai tout fait pour la sauver. Tout ce qui était en mon pouvoir, je l'ai tenté. Je n'avais aucune preuve. Ils ont préféré exécuter une jeune servante innocente.
plutôt que de reconnaître qu'il y avait un monstre parmi eux. La pauvre enfant. Henri, veille bien sur les miens. C'est égoïste de partir ainsi. Cette famille a connu assez de malheur. Si je ne pars pas, il y aura plus de malheur que quiconque n'en peut supporter. Victor, ne pars pas! Henri, quel endroit détestable que ce monde. Bien plus détestable que je ne le croyais. Tu es là.
Entre-toi. Père. Maudit démon! Est-ce ainsi que tu souhaites mourir? Est-ce ainsi que tu veux passer tes dernières heures sous le regard de Dieu? Tu sais parler? Tu crois vraiment que nous sommes si différents? Je suis fait de chair et de sang. J'ai moi aussi des perceptions et des passions et une âme d'assassin. Qui en est le responsable? Qui a rempli mon cœur de tant de colère? Je maudis le jour où tu as vu la lumière! Je maudis ces mains stupides qui t'ont donné la vie! Tu m'accuses d'être un meurtrier et tu oserais tuer ce que tu as toi-même créé? Tu es une abomination. Le monde m'a rejeté sans pitié. J'espérais que mon père n'en ferait pas autant. Je ne suis pas ton vrai père. C'est toi qui m'as fait ce que je suis! Tu as assemblé mon corps avec des morceaux de cadavres en décomposition. Une erreur! Une effroyable erreur! Une erreur que je dois expier pour toi! Comprends-tu la grande solitude que j'ai endurée? Alors tu t'es vengé de tout cela sur William. Je n'ai jamais eu l'intention de lui faire du mal. Il ne devait pas en être ainsi. C'était toi que je voulais trouver. Mais c'est ce petit garçon que j'ai vu en premier. William Frankenstein, sors de là tout de suite! Alors, je l'ai suivi en attendant le moment où il serait seul. Qu'un enfant. Un innocent. Et qu'as-tu fait, Justine? William! William! Elle a passé la fin de la journée et une partie de la nuit à appeler William. Poussée par une force inexplicable, je l'ai suivie. Je sais...
Je sais que j'aurais dû m'enfuir bien loin de l'endroit où j'avais tué ce pauvre garçon, mais je désirais ardemment, je voulais à tout prix être près d'elle. J'ai attendu dehors dans la nuit froide, et puis je n'ai plus pu attendre. J'avais tellement besoin de contempler sa beauté. Que n'aurais-je pas donné pour recevoir un simple regard tendre et affectueux de sa part ? Pourtant, je savais ce qui allait se passer si elle ouvrait les yeux et me voyait. C'est alors que la folie s'est emparée de moi. J'ai eu envie de te faire souffrir le plus possible. Et je l'ai rendue coupable du meurtre que j'avais commis. Est-ce que tu comprends quel genre d'individu tu as créé ? Un vrai fléau sur cette terre. Est-ce que tu comprends quel martyr cela représente d'être injurié à cause de son apparence ? Que veux-tu de moi ? Si tu ne m'accueilles pas dans ta famille, tu dois me créer la mienne. Tu veux une famille ? Une compagne. Tu dois me fabriquer une compagne. Jamais ! Tu ne peux pas me le refuser ! Peu importe, tous les malheurs et toutes les tortures que tu m'affligeras, je ne créerai jamais plus un être malfaisant de ton espèce. Si je ne peux pas inspirer l'amour, j'inspirerai la peur. Je te tourmenterai jusqu'à ce que tu maudisses le jour de ta naissance. Tu es un monstre. Mais je suis ton œuvre. Tu ne peux pas échapper à cette réalité. Oh. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait ? Tu l'as fait une fois. Fais-le à nouveau. Non. Tu n'as pas le droit de me laisser seul dans un monde aussi cruel. Veux-tu dire que... si je consens à créer... Tu ne nous verras jamais. Jamais. Tu me jures d'être inoffensif. L'amour d'un autre être enlèverait toute raison d'être à mes crimes. J'accepte, mais à une seule condition. Que tu quittes l'Europe et que tu restes à l'écart de l'humanité. À jamais. Oui, à jamais. J'aurai besoin de plusieurs mois. Et du secret. J'ai une grande patience. Comment te trouverai-je ? Sois sans crainte. Je te surveillerai. J'avais laissé s'en aller vivant. Je sais que ça paraît insensé. Quand de toutes les fibres de mon être, j'avais envie de l'anéantir. Pourtant, en songeant à toutes les vertus qu'il montrait à l'aube de son existence, la gentillesse, la bienveillance, la confiance, ces vertus qui avaient failli disparaître sous l'effet de la haine et du mépris de l'humanité. J'ai été incapable de ne pas accéder à sa demande. Exactement comme n'importe quel père. Quelle belle journée.
Tu devrais aller te promener avec lui. Il tient absolument à rester seul. Laisse-lui un peu de temps. Il reviendra vers nous. Tiens, voilà Henri. Peut-être saura-t-il le dérider, lui. Henri ! Alphonse ! Comment vas-tu ? Très bien, merci. Et comment vont tes parents ? Voilà. Alors, Henri, quand retournes-tu à Ingolstadt ? En fait, je n'y retourne pas. Je vais faire un voyage à Constantinople. Constantinople ? Oui, je pars la semaine prochaine. Les livres d'histoire ne nous apprennent que peu de choses sur le déroulement des croisades. Quel projet excitant ! Tu ne trouves pas, Victor ? Mais si. Donc je suppose que ton père s'est fait à l'idée d'avoir un érudit dans la famille ? Non, sans réticence. Il tient absolument à ce que je me mette en quête de bibelots exotiques qu'il pourra importer. Excusez-moi, je... T'ai-je demandé au Créateur de pétrir mon argile pour me faire vivre? T'ai-je imploré de me tirer de mes ténèbres? Un mauvais pressentiment. Rentrons à la maison. Je dois de nouveau m'en aller. T'en aller ? Où cela ? À Ingolstadt. À l'université ? Victor, qu'est-ce qui te préoccupe ? Je veux que tu me le dises. Elisabeth, est-ce que tu m'aimes ? Comment peux-tu me le demander ? Aie confiance en moi. Il y a des travaux que je n'ai pas terminés. Quand tout sera fini, nous pourrons vivre ensemble. Victor, vous êtes là ? Waldemann. Ce
C'est donc vrai que vous êtes revenu. S'il vous plaît. Je ne peux pas entrer. Professeur, que voulez-vous? Pourquoi venez-vous chez moi? Pour vous empêcher de commettre à nouveau une erreur effroyable. Vous avez déjà oublié comment vous avez défié les lois de Dieu. Non, je n'ai rien oublié, mais on ne peut pas changer le passé. Certes, mais le présent, nous avons tout loisir de le modifier. Rendre la vie aux morts, c'est une erreur. Retournez faire ce que vous faites de mieux, professeur. Retournez enseigner la science. J'aurais dû vous empêcher dès la première fois. Frankenstein! Henri, tu cherches à te faire tuer? Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi n'es-tu pas à Constantinople? Changement de programme. C'est Elisabeth qui t'a envoyé. Je t'en prie, ne te mets pas en colère. Elle s'inquiète pour toi. On s'inquiète tous. Tu peux lui annoncer que je vais très bien. Tu as annulé ton voyage pour rien. Victor, je suis ton ami le plus proche. Ça ne te donne pas le droit de te mêler de mes affaires. Va-t'en si tu veux. Mais je ne te lâcherai pas d'une semelle tant que tu ne m'auras pas dit ce qui se passe. Je t'en prie, ne touche à rien. Victor, qu'est-ce que tu fabriques? Maintenant, tu comprends pourquoi je dois mener à bien cette dernière entreprise. Mais relâcher une nouvelle abomination dans la nature est une pure folie. J'ai donné ma parole. Une promesse sans valeur. À un meurtrier, à un monstre. Que j'ai moi-même créé. Ce n'est pas toi qui as tué William et Justine. Tu n'es pas responsable. Je suis tout aussi responsable que si je les avais étranglés de mes propres mains. Pourquoi n'as-tu pas détruit ce monstre quand tu le pouvais? Tout ce qu'il veut, c'est aimer. Et être aimé, comme tous les êtres humains. Mais ce n'est pas un être humain. Et quant à toi, tu n'es pas Dieu, Victor. Et elle, que fera-t-elle? Qui sait ce qu'elle voudra, ce qu'elle exigera? Et si elle souhaitait, à Dieu ne plaise, avoir des enfants? Henri, je te demande de t'en aller. Écoute-moi, Victor. Tu as commis une erreur. Ne l'aggrave pas en infligeant une nouvelle malédiction à l'humanité. Sinon, qui sait où cela finira? Si cela finit un jour... Va-t'en. Va-t'en.
belle. Elle est parfaite. J'ai tant de choses à te dire, à partager avec toi, à t'apprendre sur la vie, sur l'amour. Je nous ai préparé une demeure, un endroit bien à nous, où nous pourrons vivre sans crainte. Avec nos enfants, tous ensemble. Oh, encore combien de temps? Je ne sais pas réellement. Il est arrivé une complication. Non, je la veux maintenant. Donne-lui la vie. Comme tu me l'as transmise à moi. C'est écrit dans ton journal. Il a disparu. Quoi donc? Mon journal. Je l'ai brûlé. Non! Retire-le, je t'en supplie! Je t'en supplie, père! Pourquoi? Pourquoi? Non! Je t'en supplie! Non, oh mon Dieu, je t'en supplie! Non! Non! Je ne peux pas vivre seul! Pourquoi? Pourquoi? Tu as osé rompre ta promesse. N'oublie pas la mienne. Je serai présent à ton mariage. Je t'ai donné une chance de faire mon bonheur. Maintenant, je vais te prendre le tien. Non ! Non ! Victor, c'est moi. Ouvre la porte. Je ne bougerai pas d'ici. Qu'est-ce que t'as encore fait? Tu veux toujours m'aider? À quoi faire? À me débarrasser de son corps. Pourquoi? Tu avais raison. Chose est mon œuvre, c'est moi qui dois la détruire. Laisse-moi te venir en aide. Tu m'as déjà aidé. Je te reverrai quand je rentrerai. Je t'attendrai, Victor. Avec une bonne bouteille du meilleur champagne au monde. Thank you.
chose ne va pas? Il y a eu un meurtre. On a vu un inconnu correspondant à votre signalement jeter à l'eau un cadavre. Arrêté pour meurtre? Ah non, je peux tout expliquer. Voyez-vous, je suis étudiant à l'université d'Ingolstadt. Et je faisais une expérience scientifique très importante. Une expérience? Vous connaissez cet homme? Oui. Depuis mon enfance, nous étions comme des frères. Mon ami est mon ami le plus cher. Que s'est-il passé? Oh non. Non. Ça aurait dû être moi. Emmenez-le. Il ne fallait pas venir. Tu préférais que je te laisse pourrir dans ce trou? C'est ce que je mérite. Tu n'as pas tué Henri? Non. Et grâce à Elisabeth, les autorités le savent également. Elisabeth est là? Oui. Elle a parlé avec ses prétendus témoins oculaires. Pourquoi l'as-tu amené? Pourquoi l'as-tu laissé venir? Comme si j'avais pu l'empêcher. Personne n'aurait pu la retenir. Mais tu dois comprendre qu'ici, elle n'est pas en sûreté. Tous les papiers sont signés. Vous êtes libre de partir. Victor, mon chéri. Suivez-moi. On s'en va maintenant. Ouvrez les portes! Ouvrez les portes! En avant, allez! Mon père, si aimant, m'avait jadis mis en garde contre l'hypocrisie qu'il y a à ne pas reconnaître l'abîme de son propre mensonge. Pourquoi ne disais-je pas la vérité à Elisabeth et à mon père? À ma grande honte, c'était quelque chose que je demeurais incapable d'expliquer. Même si l'aveu était tôt ou tard inéluctable, mon plus grand péché était celui que je commettais par mon silence. Victor! Je crois que je vais faire une petite promenade. Je viens avec toi, si tu veux. Non. J'ai juste besoin d'un peu de temps, moi. Je t'en prie, Elisabeth. J'attendrai, Victor, avec une bonne bouteille du meilleur champagne au monde. Non! Henri! Non! No!
Victor? Tu veux bien me faire plaisir? Emmène-moi quelque part, tout de suite. Très loin de cet endroit. Oui, bien sûr. Pouvons-nous avoir une conversation très franche? À quel propos? À propos de nous, de notre avenir. Je sais que notre union a toujours été un rêve pour tes parents et pour notre famille, mais ne te sens pas tenue par l'honneur de m'épouser. Tenue par l'honneur? Que veux-tu dire? Je ne suis pas une petite fille qui a besoin d'être protégée. Je saurai affronter la vérité si tu aimes quelqu'un d'autre. Quoi? Il n'y a personne d'autre et il n'y a jamais eu qui que ce soit. Pourtant, je ne sais quel mystère t'empêche de te livrer à moi entièrement. Existe un secret. Un secret terrible que j'ai voulu te cacher à tout prix. Je sais tout ce que j'ai besoin de savoir à ton propos, Victor. Excepté une chose. Ils sont tous morts par ma faute. William. Justine. Henri. Mais tu as perdu la tête. J'aimerais l'avoir perdue, mais Dieu m'est témoin que je dis la stricte vérité. Non, tu n'es nullement responsable. Je refuse d'en entendre davantage, pas un mot de plus. Il faut que tu m'écoutes si nous devons nous marier. Il y a une chose dont je suis certaine en ce monde. C'est que l'homme que j'aime est incapable de faire du mal à ses semblables. Laisse-moi t'avouer ce que je t'ai caché avant que tu ne prennes ta décision. Après notre mariage. Tu pourras me le dire une fois qu'on sera mariés. Je t'aime, Victor. Et toi aussi, tu m'aimes. Pour ne pas nous marier. Je ne m'éloignerai plus de toi. Plus jamais. Mes bien chers frères, nous voici tous rassemblés aujourd'hui devant Dieu pour assister à l'union de Victor et d'Elisabeth. Avec cet anneau, je t'épouse. Avec cet anneau, je t'épouse. Avec mon corps, je te vénère. Avec mon corps, je te vénère. Et de tous mes biens matériels, je te fais offrande. Et de tous mes biens matériels, je te fais offrande. Ceux que Dieu a unis par les liens sacrés du mariage, que nul ne les sépare et que leur joie soit sans partage. Ils sont si gracieux tous les deux, oh, c'est merveilleux. Tu es la mariée la plus adorable que j'ai jamais vue. Et toi, le marié le plus mystérieux que j'ai jamais vu. Cela fait partie de mon charme. J'ai trouvé votre sermon remarquable, monsieur le curé. Quel beau collier. Porte-toi un toast au marié. Victor, Victor, au bonheur des jeunes mariés. Attention aux effets du champagne. Que vous arrive-t-il?
C'était une journée magnifique. Oui, une journée magnifique. Merci infiniment de votre visite. Merci. Rien ne nous oblige à partir ce soir. Merci. Non, mais j'ai envie de partir. Tout a été prévu. La maison sera affreusement calme sans vous deux. Après toutes ces semaines d'agitation, ce ne sera peut-être pas une mauvaise chose. Je te souhaite le plus merveilleux des voyages. Merci, père. Merci pour tout. Il est temps de partir. Prends bien soin de Victor, surtout. J'y veillerai. Et quelle voiture vous prenez? Les deux. Monte, je t'en prie. Si quelqu'un te le demande, tu n'as aucune idée de l'endroit où nous sommes allés. Cherche à échapper à la police? Non. Cela te convient? Oui. Bienvenue, monsieur. Merci, monsieur. Mes compliments, madame. Merci. Bonjour, monsieur. Je vais faire monter vos bagages. Je vous remercie. Je vous en prie. Victor, regarde. Ces messieurs, dames désirent dîner? Nous vous appellerons. Bien. Tu souris maintenant? Je suis un homme comblé. Avoir des enfants. Tu es folle. Complètement folle. Et si nous décidions tous les deux de disparaître, de naviguer vers une petite île tropicale? Il y aura des chimpanzés qui nous feront rire. Ah oui, et nos 5 enfants gâtés adorables. Ce secret que tu voulais me révéler, tu peux me le dire maintenant? Il y a des choses que j'ai accomplies et dont je ne suis pas très fière. Tu étais à la poursuite de nouvelles connaissances. Mais j'ai été trop loin. Plus loin que quiconque ne peut aller selon les lois naturelles. Déterminer le secret de la vie est devenu mon obsession. Et j'ai déterré des cadavres pour trouver des réponses. J'ai créé... J'ai créé... un corps dépourvu de vie. Et j'ai découvert un lien... entre l'énergie électrique et notre force vitale. Alors j'ai attendu qu'un gros orage se produise afin de pouvoir capter le courant et transmettre son énergie à ce corps. Oh mon Dieu. Victor, qu'y a-t-il? Dis-moi ce qui se passe, tu me fais peur. Je crois que nous avons été suivis. Suivis? Mais par qui? Par quelqu'un qui a la ferme intention de détruire notre bonheur.
C'est lui, n'est-ce pas? Ce monstre dont tu as toujours peur. Reste ici. Et attends que je revienne. Qu'as-tu fait? Faire comprendre, mais il ne m'a pas laissé le choix. Il ne mérite pas quelqu'un comme toi. Il m'a obligé à le faire. Elisabeth. Dehors, fichez le camp! En avant. Il est là-bas. Dans le lac.
côté-là. Je suis navré, monsieur. Bon voyage. Elisabeth a enduré tellement de souffrances. Et néanmoins, malgré toutes ces épreuves, elle était remplie d'amour. D'un amour resplendissant, comme celui de ta mère. Le jour où elle a ramené Elisabeth à la maison, a été l'un des jours les plus heureux de toute ma vie. La mort te poursuit comme le démon. Depuis ta petite enfance, tu es attiré vers elle d'une manière bien peu naturelle. Père, je t'en prie, ne nous disputons pas, il ne reste que toi et moi désormais. À qui la faute, mon petit monsieur ? Plus personne n'a besoin de toi dans cette maison, Victor. Écoute. Plus personne pour mourir. Oh, je t'aime beaucoup. Mais je ne sais pas qui tu es. Retourne à Ingolstadt. Ingolstadt. Ja. Les maîtres qui jadis enseignaient cette science ont promis des choses impossibles, mais ils n'ont rien accompli. Les maîtres modernes promettent peu de choses, mais ils accomplissent des miracles. Vous êtes vivant. J'ai entendu tellement de rumeurs. Oui, je l'imagine sans peine. Je suis heureux de vous revoir.
Vous avez retrouvé votre vie d'avant? Oui. Je suis vraiment navré de votre infortune. Je me sens responsable. Responsable? Parce que je vous ai encouragé à rêver. C'est une expérience bien dégrisante que celle de faire face à ses propres limites. J'ai passé ma carrière tout entière à pousser mes étudiants à transgresser les règles seulement pour m'apercevoir en fin de compte que je suis aussi conformiste que tous les autres. J'ai de l'admiration pour vous, Victor. Pour la totalité de ce que vous avez accompli. Je ne pourrai jamais vivre dans votre univers. Jamais. Je ne le peux pas non plus. Je vous en prie, restez. Tâchez de m'oublier, professeur. Ainsi que toute la douleur que j'ai pu causer. Non. Laissez-moi votre cheval, monsieur. Voilà. Merci. La gazette. Qui veut la gazette? La gazette. La gazette, s'il vous plaît. Voilà. Merci. Tant pis. Un village terrorisé par une créature hideuse. Alors, vous savez qui c'est? C'est un monstre. Oh, quelle horreur! Un chien de l'enfer. La pauvre enfant, elle est maintenant auprès de Dieu. Il se nourrit du sang des innocents. C'est lui. Il a laissé un message pour vous. Pour moi? Il savait que vous viendriez. Mon règne n'est pas encore terminé. Vous pouvez ranger vos armes. Je ne crois pas qu'il reviendra. Ouais, mais s'il revient, il le regrettera. On va lui faire payer son... On va l'accueillir, tu vas voir. Et tant mieux s'il est parti. Il disparaît à besoin de force. Mmh.
Cal. Ce sont de très bons chiens. Vous voyagez avec ce cheval ? Ouais. Pas très commode dans ces régions polaires. Tout dépend de la proie que vous pourchassez. Un démon. Merci, mon ami. En route ! En route ! Il ne survivra pas longtemps dans ces régions. Pas dans de telles conditions. Autrefois, je me croyais destiné à l'accomplissement d'une grande entreprise. Mais je n'ai apporté que la destruction. Jurez. Jurez que vous ne le laisserez pas s'échapper. Que vous mettrez fin à son règne de terreur. Je ferai ce que je pourrai pour vous aider à le trouver. Oh non. Vous devez le tuer, capitaine. Vous devez me promettre
qu'il sera anéanti. Et alors, je pourrai enfin accepter de mourir. Aussitôt que la glace se brise, on fait demi-tour. Ouais, ouais, on va rentrer à la maison. Voilà. Oh là là. Henri, c'est toi? Walton. Robert Walton. Que se passe-t-il? Pourquoi tous ces cris? Ils vont rentrer au pays. Rentrer au pays? Oui, au pays. Rentrez si vous voulez. Moi, je m'y refuse. Je vous trouverai un médecin. Vous reprendrez votre vie d'avant. Non, ma tâche m'a été assignée par les puissances célestes. Terminé. Rien en vue? Rien du tout. Surveillez bien les environs. T'ai-je demandé au Créateur de pétrir mon argile pour me faire vivre? T'ai-je imploré de me tuer, de mes ténèbres? Je suis navré pour vous. Il est froid. Il est mort. Qui lui a infligé cette mort? C'est vous. Tu es mort. Maintenant. Même mon propre père m'a abandonné. Ou peut-être qu'il a abandonné les chagrins que vous lui avez causés.
Mais que peuvent savoir des gens comme vous de la douleur et du remords? Croyez-vous donc, monsieur? Croyez-vous que je sois insensible à la douleur et au remords? Croyez-vous que les cris d'Elisabeth aient été de la musique pour mes oreilles? Vous arrive-t-il de rêver? Oui, bien entendu. J'ai rêvé jadis d'aimer. Et d'être aimé. Mais vous êtes esclave de la vengeance. Tous les hommes ne doivent-ils pas résister chaque jour à la tentation? Le Christ n'a pas recouru à la vengeance quand l'humanité a péché contre lui. Il avait un père qui l'aimait. Mon père, lui, me méprisait, comme vous me méprisez sans doute aussi, capitaine. Mais sûrement pas. Pas autant que je me méprise moi-même. Capitaine! Non! Ses mains ont apporté la mort à des innocents. Elles ont causé tant de souffrances. Elles ne tueront plus personne. Quel soulagement! Quel soulagement! À son tour. Il s'en aille pour toujours.